Le robot de chez Aseptic Technology est un robot qui va nous permettre en fait de faire des flacons en série de solutions. Donc en fait, le robot remplit le flacon, refusionne le bouchon et vient mettre la capsule sur le bouchon, permettant ainsi d'avoir un produit de finition industrielle. Actuellement, les projets que l'on entrevoit, c'est vraiment la rupture au niveau des médicaments. Quand les médicaments sont plus produits par les industriels, on va pouvoir faire avec ces automates des flacons totalement identiques à ceux de l'industrie, hein, totalement refermés, donc stables beaucoup plus longtemps. Et également pour les services de soins ici, de préparer des médicaments prêts à l'emploi qui pourront être utilisés par les médecins et directement utilisables dans les services de soins. Pour l'instant, on s'intéresse essentiellement aux médicaments d'anesthésie-réanimation. On s'intéresse également à des médicaments de l'infectiologie. Mais rien ne nous empêche, si on avait des demandes utiles, d'élargir ça à d'autres pathologies et d'autres sphères médicales. Au niveau de la capacité, ça va dépendre évidemment de la taille des flacons. Si on part avec des flacons de 2 ml ou des flacons de 50 ml, le débit n'est pas le même. Mais grosso modo, hein, on peut se dire que sur une journée, on en fera au minimum plusieurs milliers de flacons si on se mettait à produire de manière intensive. L'opérateur est là pour faire la jonction entre la préparation généralement du liquide qu'on a préparé, programmer le robot pour lui dire le liquide qui est dans la cuve, vous me le répartissez en autant de flacons, et ensuite eh bien, le robot travaille et remplit les flacons, ferme les flacons et permet ainsi de sortir les produits terminés.